Exercice du jour. Allô, Sylvie Moisan, coach de l'épanouissement. Alors, donc, exercice du jour. Je vais vous amener à vous féliciter. À vous féliciter aujourd'hui, oui, parce que c'est trop facile, justement, de se... Des fois, se trouver des choses. « Oh, je suis pas assez ci. Oh, je suis pas assez ça. Regardons elle. Regardons lui. » Puis là, bon, la personne, c'est facile de dire... Oh! On voit l'autre en arrière de soi. Là, on va mettre le regard sur soi, puis on va se féliciter justement pour qu'est-ce qu'on trouve chez soi d'extraordinaire, de beau, ou de juste se remercier, avoir de la gratitude pour qu'est-ce qu'on fait pour soi et tout ça. Alors aujourd'hui, c'est une journée pour ça. Hein? Je vous invite à faire ça. Et ça va être hyper important que vous le faites. Pas juste regarder la vidéo puis dire « Ah, oh, je l'ai écouté » ou « Ah, oh, je passe ». C'est important de prendre le temps de vous prendre le papier crayon et de vous féliciter et marquez-le. Marquez-le parce que je vais vous dire de quoi, quand on le note sur papier puis qu'on le voit, on ne fait pas juste se le dire à l'intérieur, c'est qu'on le voit sur papier. Et puis, ce petit papier-là, là, vous pouvez le traîner dans votre chambre, vous pouvez le traîner dans le salon, vous pouvez le traîner où vous voulez, dans votre poche. Et puis là, vous vous félicitez. Et même de noter les félicitations que vous avez eues dans votre journée ou les commentaires positifs que vous avez reçus de gens autour de vous, hein, que vous avez rencontré. Alors ça aussi, ça peut se faire. Ou encore au téléphone, lorsque vous téléphonez à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que la personne aime de vous? Et qu'est-ce que j'aime de moi? Mais félicitez-vous. C'est l'exercice du jour. Alors, bien, je vous souhaite une bonne journée. Bye-bye!